Salut les petits chats, c'est JujupiCat, j'espère que vous allez bien. Qui dit que je vous retrouve en direct de mon lit dit vidéo entraînement. Il n'y a aucune logique là-dedans, mais c'est pas grave. Comme vous l'avez vu, j'ai une tête de cul, il est 7h du matin, j'ai les yeux complètement vitreux, et j'ai super faim. C'est le signal pour aller prendre le petit déjeuner. Et aujourd'hui, je vous emmène dans ma séance PEC, pour pouvoir casser des noix de coco avec vos gros PEC. Je sais pas trop à quel moment dans ma vie j'aurai l'occasion de faire ça. Allez, c'est parti les petits chats, on se retrouve en cuisine pour bien manger et ensuite on se retrouve à l'entraînement pour s'entraîner. Ouais, c'est le matin, c'est chaud de faire une vidéo le matin. A tout de suite. Regardez un peu mes chaussons chats, ils sont pas trop mignons. Et ouais. On va prendre le petit-déj, oui. Y'a quoi dans la galette? Alors, l'original galette du matin avec des œufs, de la banane, des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, parce que j'adore le beurre de cacahuète, et des fruits rouges. Vomis. Non, je rigole, c'est trop bon ce que je cuisine. Ma petite. Mais Juju, explique-nous ce que tu fais le matin pour être en forme. Je fais la danse du chat. Qu'est-ce que c'est la danse du chat? C'est parti. Une patte en avant, une patte en arrière, les genoux pliés, les pattes en l'air, et on squatte. Et on squatte. Et on squatte. Au secours, vous ne désabonnez pas trop. C'était très bien, on n'aura pas mieux. Pack de chat si vous avez aimé cette danse. Mettez en place une plage, mais c'est pas seul. Ok, remontage de pantalon, check. Coupe de cheveux approximative, check. Paire de gants, check, y'a plus qu'à aller s'entraîner. J'ai filmé comme ça, tu sais pas quoi dire. C'est gênant. Ça va, Juju? Juju comme vous l'avez jamais vu. Allez, je commence ce petit échauffement des familles, toujours avec les pattes de chat. C'est très important de venir vous échauffer les épaules, parce que vous allez indirectement les solliciter durant cette séance. Donc pour ma part, je réalise différents exercices, des élévations latérales, des élévations frontales ou encore du développé militaire pendant à peu près 5 minutes et avec une charge relativement légère. Ton copain, c'est le meilleur du monde? Mon copain. Ah bon? Enfin, ton copain de jeu. On va couper. Premier exercice de cette séance, développé incliné aux haltères. On a aujourd'hui une Juju concentrée qui ne démonte pas. On voit tous des grimaces quand on s'entraîne. Mais elle alors, c'est les pires. Quoi? Oh. Ah, c'est pas une grimace, pardon. C'est ta tête normale. C'est ma tête naturelle. On prend le temps d'augmenter progressivement jusqu'à trouver la charge à laquelle on se retrouve à l'échec à la 8ème répétition. Elle va nous faire du très beau, du très lourd. En même temps, elle est bien accompagnée. Hein? Déconcentre. Mais non, voyons. Comment tu te sens pour l'instant? Nickel, là je me sens. Nickel, ça se sent bien. Est-ce que tu vas les démonter pour l'autre? Est-ce que tu vas les démonter? Est-ce que tu vas les démonter? Tu vas détruire. Parce que là tu vas faire mal quand même là. Allez, soulève. Pousse. Fais comme si t'avais une Juju dans chaque main. Oh non, moi je peux pas alors. Ah, le manque de respect. On est parti. On rigole plus. Hé, hey, mon pull, tu te fous ma gueule? Mon cadeau? Non mais j'hallucine, ramasse-le. Merci, tu vas le poser délicatement. T'écoutes quoi, Ju? T'écoutes quoi? Tu m'entends pas, hein? Petit animal. Allez, Mulan. Et une fois qu'on s'est bien échauffé et qu'on a trouvé la charge à laquelle on est à l'échec à la 8ème répétition, on peut démarrer les séries de travail en 4x8 reps avec à peu près 2 minutes 30 de repos puisqu'on est sur un programme de masse. Et donc là, le but, c'est d'être capable de tenir les 4 séries à la même charge. Arrache, arrache, arrache. Bah, c'est bien. Elle passe. Boum. Explose. Bon, c'est que je suis à l'échec. Yes. Il crie comme un bœuf. On enchaîne avec le développé couché aux haltères. On fait du 4x8 reps avec 2 minutes, 2 minutes 30 de repos pour essayer de garder la même charge sur les 4 séries, mais surtout la même charge qu'au développé incliné. Et c'est bien là que va se trouver toute la difficulté de l'exercice. Envoie. J'y envoie. Allez. Allez, 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 pour les filles de 4. Ah, c'est intense. C'était quoi ce cri de fille là? Je l'ai perturbé. Alors, verdict. Ce sera laissé au montage. C'est la muscu. Ouais, c'est ça. Je parlais de toi. Mince. Oh, le malentendu. Oh, la oh non. Oh, la boulette. Pourquoi je démarre par du développé incliné? Premièrement, c'est tout simplement pour bousculer mes habitudes. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas d'haltère de 18 kg dans ma salle et que le développé couché aux haltères de 16 kg, ben, ça devient un peu trop facile. Oupsie.
pour pouvoir en quelque sorte me pré-fatiguer. Je démarre par le développé incliné, comme ça quand j'enchaîne par le développé couché, et ben là ça devient difficile. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à trouver différentes variantes d'exercices ou différents enchaînements pour vous permettre de faire toujours des séances dans l'intensité. Donc c'est bien la preuve que malgré qu'on n'ait pas toujours tout sous la main, on est toujours capable de se la donner à fond. Et en troisième exercice, l'un de mes exercices favoris, les dips. Donc là on va faire 4 séries du maximum de reps. Au poids du corps, il faut faire très attention à rester bien gainé et ne surtout pas créer de mouvement de balancier. Si vous n'êtes pas capable de porter votre propre poids du corps, vous pouvez démarrer entre deux bancs et au fur et à mesure vous allez venir au rack de la cage à squat jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout besoin des bancs. J'ai passé longtemps à m'exercer entre deux bancs avant de réussir à soulever mon poids parce que bon, grosse Tintin, quand elle est en prise de masse, bah elle a un peu du mal à lever son cul, mais le jour où j'ai réussi, j'étais super fière de moi et ce sera exactement pareil pour vous. C'est bien. Regardez-moi ça. Quand il fait des dips, il est en position du fœtus. Avec le petit cul en arrière. Et en quatrième exercice, on passe à l'écarté haltère sur banc incliné pour cibler le haut des pecs. Donc là, on part sur à peu près 4 séries de 10 à 12 répétitions. Et comme vous le voyez, moi, je prends une charge qui est relativement légère. Donc là, le but vraiment, c'est de pouvoir avoir un mouvement ample. Parfois, j'en vois qui prennent une charge trop lourde et qui finalement font plutôt ce mouvement-là. Or, quand vous faites ça, c'est vos bras qui vous aident à remonter les haltères. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment remonter les haltères avec la contraction des pectoraux et à la force des pectoraux. Mais plus lourd. Ça c'est une machine exprès pour apprendre à faire les câlins. Apprentissage des câlins. Oui. Et en dernier exercice pour les pecs, on termine par l'écarté à la poulie en prise haute. Donc là on va faire à peu près 4 séries de 15 répétitions. On reste bien gainé, on se penche légèrement en avant, on ne crée pas de mouvement de balancier et on rapproche au maximum les mains en fin de mouvement pour bien venir contracter les pectoraux. Allez. On serre. On a dit qu'aujourd'hui c'était entraînement spécial cassage de noix de coco. Oui. Je rigole. Je m'en suis occupé. T'as intérêt à être gentil avec moi, sinon à midi, je cuisine rien du tout. Parce que les gens, ce qu'ils vous disent pas, c'est que c'est moi qui cuisine en vrai. Au secours, qu'on se le dise, les petits chats. Ils cuisinent rien du tout. Si je suis pas là, ils meurent affamés. Fais pas des gestes derrière comme ça là. Donc là, les petits chats, c'est le moment où je pars aux toilettes en plein milieu de la séance parce que je suis une pisseuse. Et en ce moment, j'adore terminer mes séances pec par les triceps. C'est un petit peu comme le combo dos-biceps que je vous avais présenté. C'est un combo que je faisais plus depuis très longtemps et que pourtant j'adore. Au niveau des ressentis, c'est vraiment le top. En premier exercice, je commence par les triceps à la barre front en 4 séries de 8 répétitions. Votre avant-bras ne doit monter et descendre qu'à la force de votre triceps. Vous devez garder cette partie du bras très stable. Les coudes ne bougent pas et bien évidemment, les coudes ne se tendent surtout pas pour ne pas abîmer vos articulations. Et surtout, on n'oublie pas non plus de faire attention à ne pas s'exploser la barre front, bah sur le front, c'est le cas de le dire, parce que ça aussi c'est un risque et croyez-moi, c'est pas agréable du tout. Et en deuxième exercice, un exercice que je suis incapable de vous nommer, on va dire que c'est les triceps à la poulie sur banc incliné à 45 degrés à l'envers. 4 séries de 10 à 12 répétitions. Vous allez garder les coudes bien collés au corps, ils ne doivent pas bouger et ils ne doivent toujours pas se tendre. Et c'est vraiment la force de vos triceps qui vous permettent de descendre la barre. Mais Juju, mais tu sais pas t'épiler. Oh. Mais c'est pas elle. Attention, un téton s'échappe. Attention, un martien s'échappe. On peut travailler tranquille. C'est parti, c'est parti. Et voilà les tissus, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu de voir à quel point je travaille les pecs pour avoir des grosses noix de coco à la place des nénés. C'est bizarre, il fait froid. Il neige. Je suis en train de me peler le cul dans la neige pour pousser. Horrible. Il neige. Surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Dépêche-toi. Et surtout n'oubliez pas qu'un fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Je me pèle le cul. Ah attends, non non non. Quoi, quoi, toi, non non non. Abonnez-vous ici et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo là-bas. Allez, j'attends. Dépêche. J'attends, moi aussi j'ai froid. Je deviendrai un bonhomme de neige tant que vous n'aurez rien fait.